La boxe, encore appelée le noblard, se décline sous bien des formes sportives ou martiales. La boxe anglaise, la plus connue, la boxe française, la savate, etc. Et maintenant, la boxe thaïlandaise, sport national dans son pays d'origine. Ici, au Poiré-sur-Vie, se sont déroulées deux finales de boxe thaïlandaise au complexe de Lidonnière. Amateurs et classe A se sont retrouvés sur le ring. Pour l'anecdote, le Muay Thai, c'est son vrai nom, encore appelé boxe thaïlandaise, a pris sa naissance au XVIe siècle. Assez nouveau en Europe, il remonte donc à plus de 4 siècles tout de même. Les combats procèdent d'un rituel immuable et on a le droit d'utiliser poings, pieds, coudes et genoux. Et comme la musique, dit-on, adoucit les mœurs, les assauts sont accompagnés au rythme de cymbales et de tambours. Champion national de moins 67 kilos.